Alors, aussi, ils veulent remplacer tout par le tout. Ça veut dire qu'ils veulent remplacer les gens par des robots. Oh, par des... Même pas des robots. Oh, ils veulent remplacer le carnet de santé, tous les trucs comme ça, par une puce électronique. En fait, ils veulent nous tuer. Voilà. Voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent nous tuer. Voilà. Ils veulent nous tuer. On sait pas pourquoi. Mais ils veulent nous tuer en tout cas. Genre, on n'a rien demandé. Ils nous tuent comme ça. Mais nous, on veut la paix. On s'en fout là de votre règlement. Normalement, dans la loi, dans la toute première loi, il devrait même pas y avoir de président. On devrait faire tout ce qu'on veut, sauf du mal. Si on a envie de se baigner à l'ouest, on va se baigner à l'ouest. Si jamais t'as envie de lire en jouant en Lego, tu lis en jouant en Lego. Si jamais t'as envie de câliner un animal, n'importe lequel, tu câlines un animal. Voilà, et eux, ils parlent de grand remplacement. Et moi, je dis que le grand remplacement, c'est ce que tu viens de dire là. Eux, ils parlent de grand remplacement. En C'est fait, ils ça. disent que c'est les étrangers à la France, genre les Noirs, les genre les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, et tous ces gens-là qui veulent, qui font le grand remplacement, qu'ils vont remplacer les Français. C'est pas du tout ça. Le grand remplacement, c'est exactement ça. C'est que on va devenir en gros plus soi-même en gros. C'est pas nous qui décidons de ce qu'on va faire. Même le vaccin, ça change l'ADN, donc ça veut dire que vous appartenez plus à vous-même. On appartient à qui? Vous appartenez à Bill Gates. Voilà. Ça veut dire que s'il a envie, lui, il peut se caler sur sa PS5 à vous contrôler tranquille. Genre comme si vous étiez le personnage de Minecraft. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire tout ce qu'il veut. Si jamais il a envie que vous fassiez et la vaisselle la maison tout de suite, vous allez faire la vaisselle la maison tout de suite. Bien sûr, à une seule condition, que vous soyez vacciné. Sinon, vous ne pouvez pas le faire en fait. Vous obéissez toujours à vous-même. Et le métavers. C'est ce que je dis, c'est ça le grand remplacement. En gros, on sera plus nous-mêmes, on sera une sorte de robot. Ou artificiel, genre bizarre. Avec une puce électronique dans le cerveau, genre dans le genre, tu vois. On n'a qu'à appuyer sur un bouton de son corps. Alors, par exemple, je fais POUM! Comme si tu voulais allumer une Xbox. Et voilà. Tu tombes dans un robot. Et le pire, c'est que personne ne sait comment on y sort. Ça se trouve, on sera coincé pendant des millénaires là-dedans. Tu sais, on pourra rien faire. En gros, ben, c'est la Troisième Guerre mondiale. Mais pas mondiale. Je sais pas comment expliquer ça. C'est une sorte de Troisième Guerre mondiale. Et c'est qui contre qui? C'est le peuple contre la République. Voilà. Bon, ben, peut-être que mon père a des choses à vous dire. Non? Bon, ben. Bah, des choses à dire, c'est protéger vos enfants, ne les laissez pas les vacciner. Et éduquez-les. Éduquez vos enfants. Au lieu de nous laisser suffoquer avec ce putain de masque, on est en train de suffoquer là. À l'école, moi j'en peux plus. J'ai toujours le masque baissé. Je suffoque. Je suffoque. Ouais, En c'est de la gros. maltraitance aussi, le fait de vous gronder, vous punir à cause de ça. Mais même les animaux, on n'a pas à faire ça avec les animaux en fait. On n'a pas à faire ça avec un être vivant tout court, en fait.
C'est pas genre que ce soit un animal ou un humain ou quoi. On n'a pas à faire ça, en fait. On n'a pas à faire ça. Tout simplement, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à le faire. Et en plus, la moitié des gens s'en foutent complètement que les gamins suffoquent, qu'ils vont crever dans pas longtemps. Même ça, ils le savent pas parce qu'ils sont manipulés. Mais ils s'en foutent que les gamins suffoquent. Comme moi, je suffoque. Ouais, mais c'est pour vous protéger. Blablabla, c'est pour nous protéger. Mais nous, on ne peut pas porter le masque, on est asymptomatique. Donc, du coup, ça sert à rien. Mais ça veut dire quoi, asymptomatique? Ça veut dire que tu réagis pas à la maladie. Donc, ça veut dire que t'as pas besoin de te faire vacciner. Parce que dans tous les cas, tu peux attraper le Covid si t'es vacciné. Dans tous les cas. Tu vois, c'est juste que c'est asymptomatique. Mais comme nous, on est déjà asymptomatique, qu'on n'a pas besoin de se faire vacciner. De deux, les profs et tous les adultes, ils ont qu'à porter le masque. Nous, laissez-nous tranquilles. Nous, on n'a pas besoin de masque. On n'a pas besoin de vaccin. En fait, vous aussi, vous n'avez pas besoin de vaccin ni de masque. En fait. Vous avez besoin de rien. Si, de vivre. Voilà ce que vous avez besoin. De boire. D'aller aux chiottes. Tout ça, vos besoins en gros, les besoins naturels que tout le monde a. Manger, dormir, je sais pas moi, câliner un chat, jouer au Rubik's Cube, et j'en passe. Bah, c'est tout ce que j'ai à dire. One love.